Alors pourquoi la relation d'aide? Pourquoi l'ARTEC a mis en place ces modules qui complètent des parcours de certification, de formation plus longues pour des gens qui veulent faire un travail d'accompagnement auprès de personnes à travers, par le biais d'un médiateur? Eh bien, il y a très longtemps, l'ARTEC s'est rendu compte que les personnes qui étaient formées à une technique revenaient un petit peu parfois en courant auprès de l'ARTEC en disant, mais voilà, je ne sais pas faire moi quand il se passe quelque chose d'imprévu dans la relation. Quand quelqu'un arrive avec de l'émotion, ou pourquoi pas éclate en sanglots pendant une séance, qu'est-ce que je fais? Ou quelqu'un qui est agressif, ou quelqu'un qui n'arrive pas à quitter la séance, qu'est-ce qu'on fait? Comment on fait quand quelqu'un se met à raconter sa vie et qu'on ne peut pas continuer le travail qui est prévu? Donc tous ces aspects-là ont amené à la prise de conscience qu'il fallait des outils précis et concrets pour accueillir tout ça. Donc relation d'aide telle qu'on la travaille ici à l'ARTEC, on a vraiment à cœur de partir sur des bases humanistes. Et moi, c'est ça qui me touche beaucoup. Et c'est ça que j'aime vraiment mettre au cœur de ce travail, c'est de garder une posture de bienveillance, de respect, d'acceptation de l'autre et toutes ces notions-là finalement bon, qui sont communes avec la Gestalt-thérapie et sont issues aussi de la psychologie humaniste initiée par Carl Rogers. Et j'aime beaucoup cette position-là, cette posture-là. Donc j'essaye vraiment de partager cette posture parce que pour moi c'est une posture qu'on travaille et qu'on essaie de développer tout au long des 3 modules de relations d'aide. Une posture qui amène une certaine humilité. J'y tiens beaucoup. C'est-à-dire que petit à petit, l'accompagnant se rend compte qu'il n'est pas là pour faire à la place de l'autre, mais vraiment pour l'accompagner, être avec lui, et non pas le tirer par la main en lui disant c'est là que je t'emmène, parce que c'est là que je pense que c'est bien d'aller. Donc il y a tout un travail aussi de déconstruction dans ces modules qui peut se faire, parce que on va interroger ces notions d'aide ou d'accompagnement. On va mettre en place les outils de base, l'écoute, la pose d'un cadre qui est fondamentale. Et on va se rendre compte qu'il n'y a pas 50 outils qui vont vous aider à clarifier cette approche, mais que c'est leur pratique qui va vous permettre de gérer toutes les situations. Et je dis bien toutes les situations, y compris celles qui paraissent les plus compliquées, les plus difficiles au niveau de l'émotion, etc. Et ça nous permet aussi de vraiment faire la part des choses avec la différence avec un accompagnement de psychothérapie, par exemple. Alors, les modules de relations d'aide à l'ARTEC sont au nombre de 3. Le premier module est vraiment là pour vous aider à découvrir et à apprendre les outils de base, donc l'écoute active, la pose d'un cadre et comment, quand on maîtrise bien ce système-là, on peut vraiment faire face à toutes les situations. On travaille aussi dans ce module les relations de pouvoir avec le fameux triangle persécuteur-sauveur-victime. Évidemment, les professionnels de l'aide peuvent être très concernés par le rôle du sauveur, donc c'est important de le voir. On travaille aussi dans ce module toute cette façon d'interpréter, de juger, alors même qu'on pense simplement être en train d'écouter. Tout au long des 3 modules d'ailleurs, il y a une alternance de moments théoriques où je vais peut-être présenter des grilles de lecture, des outils, mais ensuite vous allez les mettre en pratique sous forme de jeu de rôle, de partage par deux, de mise en situation ou par trois, où vous allez pouvoir vraiment essayer de pratiquer les outils sur différentes thématiques. Le deuxième module va plus être dans la déconstruction peut-être de votre vision de l'aide. On approfondit un peu plus les postulats humanistes. On interroge aussi peut-être pourquoi vous êtes inscrit dans un processus de relation d'aide. Et on confronte aussi votre capacité à l'écoute par rapport à vous confronter, lors de jeux de rôle, à quelqu'un qui n'est pas du tout dans les mêmes croyances ou représentations que vous. Donc vous entraînez, vous musclez un petit peu votre capacité à l'écoute, entre autres dans ce deuxième module, pour faire très court. Et dans le troisième module, qui est plus la professionnalisation encore de votre pratique, hein, vraiment dans l'approfondissement des outils et de votre posture, on va aller chercher les cas plus difficiles qui pourraient se présenter à vous.
Et du coup, vous donner des repères pour savoir qu'est-ce que je fais si je tombe sur quelqu'un qui est dépressif, voire suicidaire, voire un petit peu délirant. Donc, tout ça juste dans l'idée de vous donner des repères, de prendre en compte vos limites et celles aussi de l'autre. Et les repères qu'on va vous donner, ça va être un saupoudrage de l'évolution de l'être humain par le biais de la psychogénèse. Bon, on va utiliser pas toutes les grilles de lecture, mais on va en prendre un petit peu dans le modèle plutôt psychanalytique. Et on va aussi vous donner quelques repères de psychopathologie. Non pas pour que vous posiez des diagnostics, parce que ça prend des mois et des mois de formation, mais pour que vous ayez un petit signal d'alarme qui vous aide à vous dire, attention là, peut-être que je ne suis pas outillée pour accompagner cette personne. Et pour approfondir tout ça, y compris avec des situations d'agressivité, on travaille là-dessus, on reprend nos jeux de rôle, on refait des mises en situation pour vous permettre vraiment de toucher du doigt toutes ces notions-là. S'il n'y a pas de mise en pratique, c'est toutes ces notions théoriques ne restent pas. Donc c'est pour ça qu'on insiste beaucoup sur tous ces jeux de rôle. Voilà l'essentiel des trois modules de relations d'aide.